Je me demande si un film plus anti-hollywoodien que Anatomie d'un rapport. Je pense que c'est le cinéma qui est réduit à sa plus simple expression. Deux acteurs qui n'ont pas l'air d'en être. Enfin, Luc Moulet, c'est sûr, il n'a pas l'air d'être acteur. C'est un décor quotidien, hein. Les cuisines sont petites. Donc, il y a une sorte de comique, parce qu'il se trouve que c'est le film donc, qui emploie le moins de moyens de séduction du cinéma, le décor, l'image, les acteurs, la musique, il n'y en a pas. Pour parler du sujet le plus romanesque, donc l'amour, en tout cas le conjugal, le couple. Mais en même temps, le scénario est précis là-dessus. Il est, enfin, en gros, c'est une. Je crois, elle rentre de voyage, il me semble, et puis on sent qu'elle n'a pas tellement envie de rentrer chez elle. Et puis on voit que chez elle, il y a cet homme qui est pas ultra séduisant au premier abord. Et puis on sent qu'elle a pas, elle a plus envie d'être là. Et qui Lui, a qu'une idée, c'est c'est comme on ouais. dit dans le film de baiser. Lui, Lui. ouais. Et elle n'a plus envie. Et cette fois-ci, elle lui dit Mais qu'en plus, il la baise mal. on assiste frontalement à toutes les tentatives de lui pour essayer de la réinspirer, et qui sont vraiment catastrophiques, filmées frontalement, Très, très 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 frontalement. frontalement. Mais c'est pas non plus pour nous rendre tristes, c'est voilà, voilà comment ça se passe. Tu es trop mécanique. Je suis toujours un objet pour toi. Mais j'essayais de m'occuper de toi, pourtant. Moi aussi, je te ressens comme une machine. Je pourrais peut-être essayer de me caresser. C'est vraiment dur. Tu peux pas comprendre. Il n'y a pas d'érotisme entre nous. Mais si. Le cinéma, si on le prend au sérieux et qu'on lui enlève, oui, alors tout le, enfin, le voilà, la séduction, tout ça, ça peut servir, c'est quasiment un outil d'exploration. Donc cet outil d'exploration doit peut-être faire surgir une ou deux vérités du rapport homme-femme. Et ça, il le fait assez sérieusement. Moi, en tant que garçon, par exemple, assez rapidement, ce que fait Luc Moulet devient un miroir de moi-même. Très étrangement, c'est l'homme qu'on a tous, que tous les hommes ont en eux. Mais parce qu'il y a quand Et même une obsession de la vérité. Tout ce qu'il dit, il le pense et il cherche une réponse à ce qu'il demande et la femme répond pareil. Donc la vérité avance tout au long du film. C'est très sérieux là-dessus. Enfin, l'anatomie, elle est précise. Elle est. Mais c'est pas mené par un scénario. C'est mené par les questions que se posent les deux personnages. j'ai l'impression que tu me fais une blague. Tu crois que je plaisante? C'est toi qui plaisante. Je suis un peu perdu. Si c'est vrai, ça me fait comme un grand vide. C'est que mon pied, je le prenais parce que je sentais que toi aussi tu le prenais en même temps. Menteur. Tu faisais du boucan et ça m'excitait encore plus. Tu ne m'as jamais entendu prendre mon pied, allons. Je ne sais plus. Et pourtant, tu as l'air d'être sincère. Je pense que c'est un des plus grands cinéastes matérialistes. C'est-à-dire, oui, comme on dit, la science par les faits. On dit un mot qui permet peut-être de découvrir la chose qu'il y a derrière. On filme des objets. Par exemple, là aussi, sur le c'est quoi le métier de cinéaste, au fond, c'est écrire à longueur de journée des scénarios, ne pas recevoir beaucoup d'argent, avoir peur que les bobines se perdent dans les soupirails. C'est pas très sexy, quoi. Des choses comme ça, oui, c'est pas très sexy. Elle avait réussi à m'inquiéter. La forme des bobines correspondait rigoureusement avec la forme des bouches d'égout. Cela m'avait toujours fait peur. Il y a le côté aussi, sa très nouvelle vague, pour le coup. Ouais. C'est tout d'un coup, dans le film, il y a deux ou trois grands récits qui, a priori, n'ont rien à faire avec exactement le sujet du film, et qui pourtant, pareil, vont continuer à travailler dans l'esprit après qu'on ait vu le film. Par exemple, à un Et un moment donné, voyage. voilà, la fille dit, Une aventure ratée. voilà, une amie lui dit, mais pourquoi tu pars pas en voyage? Et là, tout d'un coup, elle fait le récit d'un voyage raté. C'est donc un film assez déceptif dans ses espérances de récit, mais quoique, à la fin, il y a une progression. Ah ben Déjà, ils arrivent à se parler. la vie ne peut être que plus
excitante que dans Anatomie d'un rapport. Non, mais c'est rassurant. Alors là aussi, réussit ce paradoxe de dire que la vie est beaucoup plus grande que le cinéma, ce qui est une école de cinéma. Pour moi, c'est souvent les très grands films qui disent que la vie est encore plus grande que le cinéma, mais qui arrivent à le montrer.